Chiquita, chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita. Chiquita, le chouchou de Mère Nature. Sous une toile Dixon Constant, du bon temps, tout le temps. Contre le voile terne et les traces sur la vaisselle, voici Galaxy, premier gel de lavage pour lave-vaisselle. Galaxy se verse directement, c'est plus pratique et plus propre. Le gel Galaxy se dissout plus vite, il se rince à fond, il agit contre les traces. Envolez le voile terne. Une nouvelle brillance apparaît, c'est Galaxy. Galaxy, gel de lavage, liquide de rinçage, sel régénérant. Galaxy, testé et conseillé par de grandes marques de lave-vaisselle. Haine, c'est la viande, née pour s'aimer. Au pays des beaux fruits gorgés de soleil, cueillez-vous un vrai sirop, débordant de goût, spontain, royal. Allongez le dos fraîche et buvez. Pour vos petits plats, vos desserts, vos cocktails, il y a toute une gamme de savoureux sirops Spontin Royal. Savourez les fruits. Sylvie Blanc, qu'est-ce qui vous a marqué cette année? Moi, c'est vite. Vite? Ça fait des jambes si douces. Tenez, touchez. Pardon? Toucher, c'est très étonnant. En effet. Vite, c'est si doux qu'il faut toucher pour le croire. Déodorant Narta. Dès le matin, je suis Narta. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta, déodorant Narta. Vous voulez beaucoup, beaucoup d'argent? Facile. Soit vous épargnez pendant très, très, très longtemps. Soit vous épargnez chez IPA. Chez IPA, jusqu'au 21 juin, chaque fois que vous déposez 5000 francs, vous avez une chance de devenir millionnaire. Ou de gagner 30 golfs, 10 vidéos, 20 chaînes IFI, 40 vélos ou 10 000 autres prix. IPA, j'épargne, gagne. Les techniques modernes permettent de porter un appareil dentaire sans aucune gêne, si vous l'entretenez régulièrement. Mais régulièrement, c'est tous les jours. Stéradan. Tous les jours. Tes yeux qui font baisser les miennes. Un rire qui se perd sur sa bouche. Et voilà le portrait. Sans retouche. De l'homme auquel. Moi, je me régale léger avec Effie. C'est 50% de calories en moins. En cette fin de soirée, nous allons maintenant faire un dernier point sur l'actualité de toute cette journée de lundi. Voici RTL Digest. jours après son extradition, le procès de Klaus Barbie a débuté cet après-midi à 13h04 précise. Une minute plus tard, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon
faisait son entrée dans le palais de justice de Lyon. Visage calme, parfois souriant, se prêtant de bonne grâce aux photographes et aux caméras de télévision, celui que l'on a baptisé le boucher de Lyon prend place derrière une épaisse paroi de verre pour le protéger des balles. Plus bas, les nombreux avocats de la partie civile, dont Serge Karsfeld, qui traque le nazi depuis la fin de la guerre, et l'avocat de la défense, l'énigmatique Jacques Vergès, qui va plaider l'innocence. Aujourd'hui, les premières heures d'audience auront surtout permis de poser les bases juridiques du procès, désignation des protagonistes, partie civile, défense et nomination des jurés, les neuf personnes qui, après un immense brassage historico-sociolo-politico-médiatique, devront décider du sort de Klaus Barbie. Après 18 ans d'une vie qu'Emmanuel Vitria devait à un autre, au cœur d'un autre plus exactement, le doyen des greffés du cœur est mort ce matin à Marseille d'insuffisance cardiaque due à une insuffisance respiratoire. Emmanuel Vitria avait été opéré le 27 novembre 1968, un an seulement après la première transplantation mondiale d'un cœur réalisée par le professeur Chris Barnard. Le patient survécut 18 jours, Vitria vécut 18 ans d'une bonne vie de Marseillais. À l'époque, le taux de réussite était de 15%. Aujourd'hui, grâce à des pionniers comme Vitria, le taux de survie est passé à 80%. Après une mauvaise passe qui aura duré 6 ans, le lion de Sochaux reprend du poil de la bête, puisque pour l'année 1986, la firme annonce un bénéfice de plus de 3,5 millions de francs, soit 7 fois plus que l'année passée. Jacques Calvet, le PDG de Peugeot, ravi de ce spectaculaire redressement, est toutefois d'un optimisme pondéré. Peugeot est très lourdement endetté, dit-il, 30 millions de francs, et souhaite financer ses prochains investissements. Peugeot est donc bien parti pour réaliser son pari, celui de devenir le premier constructeur européen dans les prochaines années. Léo Tindemans, le ministre belge des Relations extérieures et président en exercice du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, a achevé aujourd'hui une visite de 48 heures en Israël au nom des 12. L'occasion pour lui de mesurer le fossé qui sépare les deux grandes branches du gouvernement israélien. D'un côté, le Likoud conservateur du Premier ministre Itzhak Shamir, qui s'évertue à désamorcer la tentative de conférence internationale de la paix. De l'autre, Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères, partisan d'une telle conférence pour tenter de mettre un terme au conflit israélo-arabe. Au cours de cette visite, M. Tindemans a également rencontré des représentants des populations palestiniennes de Cisjordanie. Les tennismen feront leur comeback sur les courts de tennis olympiques lors des Jeux d'été de Séoul en 1988. C'est ce que vient de décider le Comité international olympique réuni à Istanbul, en Turquie. Philippe Châtrier, l'un des maîtres d'œuvre de ce retour de la raquette professionnelle dans les disciplines olympiques, n'a pas caché sa joie aujourd'hui à Nancy. Il se déclare très content de cette nouvelle, même si la décision est pour le moment modulée par la mention expérimentale. Nul doute que des réactions violentes sont à attendre de la part des défenseurs de l'amateurisme, jusqu'ici indispensable pour pouvoir concourir aux Jeux.